Il est vivant. Il est dans la cause et existence de Manayo. Je veux remercier pour être attiqué, pour être un bon moment, 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 pour être Zambé Lapram, Isaac Pejago, te le merci. Pouette de Borina Loko, Mouyon Mbate, le Pemo Soubi. Merci pour la Tina Nakobate, la Pemo Soubi, la Bissokolo. Nakatina Boutu Alelo, Tolani, Pondia Kimia, Pedro la Mokina Kimia, sans être visité par aucun malheur, car cela a été fait. Nous allons rendre ce magnifique action de grâce au Jésus de Nazareth. Puisque on est au de faveur, Juan Ancolo, nous avons abolingo. Yako, Sangana, nous sommes tombé et Sima, nous sommes allés à Boutou. Merci pour la bonté, voilà. Pour la bonté, nous sommes allés à Boutou. Nous sommes allés à Boutou, 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 nous sommes allés à Okokiselangai, o tata, akokiselangabana na e, mkolonyos. Nakumola okolo, mokonsipe obix, nabise su Christo obi. Amen. Nakombo, na Yesu Christo obi. Amen. Wana, utelemisi mousakoli longo na mbongo likota. Peto zobete la lilo balanzambe, maboko makas. Jésus est vivant. Que la paix de Jésus-Christ soit le partage de chacun de nous. Que Jésus-Christ qui nous a donné ces jours soit glorifié. Aujourd'hui, nous sommes le 6 octobre 2021. Le Seigneur a une œuvre à faire. Nous avons confiance dans l'Écriture sainte. Je suis très confiant à l'Écriture sainte. La Bible est l'œuvre de Dieu et vous prospérez toujours entre ses mains. La Bible est l'œuvre de Dieu et vous prospérez toujours entre ses mains. Lolenge ozali tel que tu es esanza mbenda likaki ozala wana. C'est le Seigneur qui a permis que tu sois là. Otala musi o ezande. La personne qui t'a réveillé, c'est lui le Seigneur. Oya sali ke ozana makanisi ya koya ko adorer. Lui qui a fait que tu aies la pensée de venir l'adorer ce matin. C'est le Seigneur. Ezali kolo. Yango tolobakanza me merci parce que tanki ngai parmi bato fo pambola lelo na tongo. C'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a compté parmi ceux-là qui doivent bénir ce matin. Parce que la parole de Dieu bénit. Oui, tu dis l'omanzambe et pambola ka. Nala ka na esengo tango deja nzambe à la moussiope a ye na yo. Il faut être dans la joie quand le Seigneur te réveille et t'amène là où lui-même t'enseigne. Le Seigneur ne te donne pas le temps en vain parce qu'il y a des choses qu'il doit faire avec toi. Il ne faut pas te sous-estimer. Dieu a des choses à faire avec toi. Il faut faire très attention, prendre garde à la parole qu'il enseigne.
ta richesse est dans cette parole là. Solution ezanakatena. Il y a la solution dans cette parole. Un jour ezalaki na une femme na commune moko ya Kinshasa Bandal. Un jour il y avait une femme dans une commune à Kinshasa. Azalaki souffrante, azalaki mona souté. Elle était souffrante, elle ne voyait plus. Azali ko kita na mbeto te. Elle ne descendait pas de son lit. Abazi pa ki e ba couverture. Et elle était émaillotée. Azwaki tami ke ba moi ikolo ya mbeto na e. Elle était alitée pendant plusieurs mois. Ba e ko e misanga ke ndeko wana azo souffrir makasi. On est venu m'informer que cette sœur la souffrait beaucoup. Je ne savais pas qu'elle était toujours alitée dans sa chambre. Lorsque nous lui avons rendu visite, elle avait sa maison en étage et nous étions dans son salon en bas. J'ai dit à son frère, dis-lui que nous sommes déjà là, qu'elle arrive, nous allons prier en sa faveur. On m'a informé qu'elle ne quitte pas son lit, elle est toujours sur son lit. Tous ses besoins, elle les fait sur le lit. Et elle souffre cruellement. Et il avait demandé que nous puissions entrer jusque dans sa chambre. Avant que je ne vienne, d'autres serviteurs de Dieu aussi avaient passé et a prié pour elle. Et ils m'ont rencontré de par son frère. Et les serviteurs de Dieu aussi ont prié, mais elle est toujours alitée, elle n'est pas toujours guérie. Dans ma côté de la chambre, lorsque je suis entré dans la chambre, je lui ai dit que moi je ne suis rien. Vous voyez les serviteurs qui étaient venus avant. Les serviteurs qu'ils avaient fait, moi je viens seulement les confirmer. Ils sont vraiment les serviteurs de Dieu. Maintenant je l'ai expliqué Exode 14. J'ai montré qu'en Égypte, Israël était déjà délivré. Quand l'agneau pascal a sacrifié, lorsque l'agneau de la Pâque était immolé, et se mettre en marche, la Bible dit qu'Israël est sorti les mains levées. Ils se sont mis à la marche, mais le Israël la mimi ma boko ba chaîne et katana. Actuellement, talisaka ke fardou ezalaki na Congo et Boui. Et cet acte-là représente que mon kumba et mon kongo ezalaki sous terre. Chaîne et pharaon est tombé, Israël a mis libre. Les chaînes de pharaon étaient tombées, Israël est sorti même. C'est à cause de la promesse du Seigneur. Ezalaki likolo et la kaya kolo. Mais nazalaki ko expliquer tant ou bakomi devant mes rouges. Mais j'étais en train de lui expliquer que lorsque les enfants d'Israël sont arrivés devant mes rouges, même ennemi balongaki. Le même ennemi qu'ils avaient vaincu en Égypte, Pharaon et toute son armée, les mêmes qui les pourchassaient encore. Mais ils ne peuvent pas renier que le Seigneur leur avait déjà donné la délivrance en Égypte. Alors, de même, moi aussi tel que je suis là, je crois d'abord aux prières de premiers serviteurs de Dieu qui étaient ici. Et tel qu'ils avaient prié pour toi, tu avais déjà vu, tu avais déjà quitté les lits, tu étais déjà guéri. Ma présence ici, ce n'est que pour te rappeler que le Seigneur avait déjà opéré. J'ai commencé à lui expliquer Exode 14. Elle était très attentive. Et expliqué que le Seigneur a déjà fait. Lorsque je lui expliquais que le Seigneur avait déjà opéré, voilà, mon ami a su convertir à quoi
couverture. Et directement, je lui ai vu jeter la couverture. Je commence à voir. Je commence à voir. À transpirer sur place. Elle a commencé à transpirer sur place. Elle est descendue de son lit. On est descendu ensemble de l'étage comme si elle n'a jamais été. Et on a mangé ensemble, elle qui ne mangeait pas auparavant. Maintenant, les gens ne comprenaient pas l'événement. Pourquoi le Seigneur m'avait exaucé? Parce que je n'avais pas minimisé les serviteurs qui étaient là avant moi. J'ai considéré les autres. J'ai considéré les autres serviteurs. Dieu a vu cette humilité à fumoler mis. Et Zamba Moni Komiki Tisawana, et elle a fait recouvrir la sœur sur place. Elle a guéri la sœur sur donc, place. Et nous sommes comme si elle n'a jamais été. Et on a mangé ensemble, elle qui ne mangeait pas auparavant. Et elle est aussi allée nous accompagner jusqu'au portail de sa parcelle et elle nous a fait des adieux. J'ai dit au frère qui m'avait accompagné. Dieu aime les hommes. Zambéali Nakabaye Mamikitisaka. C'est un grand secret. Les Ali, les Bombani Moné. Na vie, ce que nous avons dans Zamba Salanayo, quitte. Dans la vie, si tu veux voir Dieu opérer dans ta vie, rabaisse-toi. Quelque chose qui t'a l'avantage. Ne te fais pas voir quelque chose, rabaisse-toi dans tout le domaine. Dieu a veillé à Katara. Le Seigneur veille sur l'humilité. Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. C'est ça la parole. A Fongwama Misu par l'enseignement, j'ai prêché. Elle avait recouvré la vue par l'enseignement quand j'ai prêché. Je expliqué qu'Exode 14. J'étais en train d'expliquer qu'Exode 14. On n'était pas encore arrivé à l'étape de prier pour chasser. Mais je croyais à la prière et les gars qui avaient. Mais je croyais à la prière faite auparavant par les serviteurs de Dieu. C'est ça. La complémentarité. C'est ça la complémentarité. Voyez, considérer grâce. Savoir considérer les autres grâces. C'est tellement important, même dans le domaine. Tu peux mépriser une autre personne sans savoir la richesse qui est en elle. Mais tant que vous considérez, vous comprenez que non, il y a quelque chose aussi dans la katina qui peut aider dans les besoins. Mais à la considérant, tu sauras qu'il y a quelque chose en elle qui peut aussi t'aider. Quand tu seras dans le besoin. Si le conseil est mauvais dans l'homme, il faut le reprendre. Et qu'il emprunte une mauvaise voie, tu t'opposes à cela. Quand présenter et le malam loué tambola. S'il te présente ce qui est bien, loue cela et marche sur cette voie là. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes toujours au verset 6 d'Apocalypse 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et nous lisons au troisième saut sur verset 5 à 6. Mais nous lisons tous les troisièmes sauts, le verset 5 à 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand il ouvrit le troisième saut, j'entendais le troisième être vivant qui disait viens. J'ai regardé et voici parier un cheval noir. Celui qui est monté tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier. Et trois mesures d'or pour un denier.
Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Que Dieu bénisse les Écritures saintes. Et nous allons croire que le Seigneur nous a dit qu'on soit mis au petit à petit par sa grâce. Et nous croyons que le Seigneur nous assiste par sa grâce petit à petit. Souci n'a mis au Ezali que l'enseignement soit place dans la carte et dans la. Notre souci est que l'enseignement prenne la prenne place au milieu de nous. Ozalana. Que tu aies la facilité de répéter l'enseignement tel qu'il est. Nalikaka Iglesia ezala na lolenge ya kuyeba lilakisi lolenga yemba kanzembo. J'aime que l'Église sache ou maîtrise l'enseignement comme elle maîtrise le chant. Moni soki tozo yemba. Vous voyez quand nous chantons. Umama masie. Umama libila papa e, umamoza linzambi. Oui, bien ni bazoni ça. Tu sais comment est-ce qu'on répond à cette chanson là? Enseignement bien comme bon. Je veux que l'enseignement aussi devienne pareil. Donc, ezala na lolenge ya retour moko ezota isana katia motema na. Donc, il y a aussi un retour provenant de ton cœur. Okoki koloba yango pe lisusu na kimia nyonso. Et tu pourrais aussi les répéter en toute facilité. Hier, nous avions montré pourquoi nous enseignons. Pourquoi nous enseignons? Nous enseignons pour l'Église et comment na bokoki. Nous enseignons pour que l'Église atteigne la perfection. Nous avons pris Éphésiens 4, versets 11 à 14. Nous avions pris Éphésiens 4, le verset 11 à 14. Totalisaki rôle et ministère. Nous avions montré le rôle du ministère. Les amis, poésois, bisous. C'est pour nous prendre, nous, les fidèles de Christ, pour que nous devenions comme le Christ lui-même, et nous doctrine, et que nous ne soyons pas flottants et emportés à tout vent de doctrine. C'est pourquoi nous avions montré le ministère Moussala na yango, le rôle du ministère de la parole, c'est protéger les peuples devant des loups ravisseurs. Les animaux combattent la libota, les bosseurs bambolo baboto la kabomo yabat. Les loups ravisseurs, les animaux faux enseignants. Donc bambolo yakaza, les animaux teya mabé. Po oyeba. Faux dollar, il faut y être vrai. Pour connaître un faux dollar, il faut savoir le vrai dollar. Ce que vous dit est le vrai faux n'ango que vous avez faux. Donc si tu connais ce qui est vrai, tu auras la facilité de connaître la fausseté. Voilà pourquoi tu présentes à Kayo l'enseignement véritable. Voilà pourquoi nous te présentons l'enseignement véritable. Parce que l'enseignement va te garder en vue de l'enlèvement. C'est l'enseignement qui va nous enlever. Mais l'enseignement, donc cet enseignement-là, on l'appelle la nuée des nuées, ma pata. Ensemble, nous serons montés sur des nuées. Qui sont par ce logo Togo Matalikola, ma pata. Comme des chats. Logo la makalo. Oui, comme ma biso. Qui vont nous transporter, nous porter. Et dans les hommes, ma biso, ce sont en réalité deux anges. En réalité, ces chats ou ces nuées-là représentent les anges. En mais c'est à cause de l'enseignement. Mais à cause de l'enseignement que nous serons enlevés ou portés sur le nuée. Tous les apôtres qui ont prêché dans les Écritures, ils avaient mis plus d'accent sur la connaissance de la parole. Je ne veux pas, frère. Il disait que na lingite ba ndeko botika la na boinga. Na oye talineti likambo ya choix à Israël. En ce qui concerne par exemple l'élection d'Israël, na verset neti
25e, il y a Romains 11. Par exemple, au verset 25 de Romains chapitre 11. Ministre Azoloba, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Le ministre de la parole dit na ligite botika la na moinga. Na o etali marche ni Israël a tambola ki na désert. En ce qui concerne la marche qu'Israël avait faite dans le désert, na 1 Corinthiens 10 verset 1er. Dans 1 Corinthiens 10 le verset 1er, alobi ke bozala ignorante batata na biso bazala ki sola niye bazwaki baptême na mai à Moïse. Nos pères ont été sous la nuée et ont été baptisés dans la mer en Moïse. Je ne veux pas que vous soyez ignorants. Mon problème, c'est cet accent-là. Donc, ministère, l'église. Donc, le ministère n'aime pas que l'église demeure dans l'ignorance. Donc ministère faut nous que l'église il est. Donc, le ministère doit pourvoir la nourriture à l'église. Il y a un temps Moïse a expliqué ministre. C'est pourquoi lorsque Moïse explique ce qui est ministre. Total qui a un nombre 27. Nous l'avions vu dans Nombre 27. Il a dit, Seigneur, établis celui qui sortira avec le peuple et rentrera avec le peuple. Ce n'est pas qu'il sort avec le peuple dans le combat et lui-même il meurt. Ou bien abîmé avec 500 personnes dans le combat, babomi, babonion, sobia, soyin, andambo, tangi, boye. Ou bien il sort avec 500 personnes, on tue la majorité ou il rentre avec une petite. La personne que tu vas établir soit capable de sortir avec le peuple et retourner avec le peuple. Et le Seigneur a classé le combat à Israël qui est en train de combat au Kokanga. Et le Seigneur a classé dans le combat d'Israël qu'en sortant dans les combats, qu'ils puissent avoir d'autres captifs pour les amener dans ton camp. Les femmes qui ne connaissent pas encore des hommes, vous allez les raser dans la tête, les ongles, les ongles. Pendant 30 jours. Donc cela montrait qu'en sortant pour le combat, il devait prendre d'autres captifs et les changer de camp. Aujourd'hui, les ennemis sont de fausses doctrines matérielles. De faux enseignements. Mais pour vous priver, parfois, et vous pouvez aussi les croiser par rapport à un point divergent. Dans le quartier, dans des lieux publics, dans des écoles, dans le travail. Dans le travail, tu ne vas pas aller fermer la bouche, il va parler. Ce qui est grave, qu'on puisse te convaincre par une fausse doctrine par l'ennemi. Et toi, tu manques d'argument. Parfois, tu commences à le fuir comme on fait les là, c'est un danger. Malade wana zamba alongola ngona nzela ministère la parole. Cette maladie, le Seigneur l'ôte par le moyen du ministère. Il faut zalana suprématie devant la fausse doctrine. Et ce que nous zalana au kotito qui bokulu tulikula bate ya wana mabe. C'est ce que nous montrons. Jésus dans Matthieu 23. A émis ce qui va disciple. Il avait dit aux disciples, attention na levé ya ba pharisien. OK ba na fulu ya ba pharisien. Et atali sindenge musala na bango ezo sale ma mère. Atali sindenge singeli église se comporter. Ba Pierre bazaki comme elembo ya église. Il a parlé des œuvres des pharisiens, de leur hypocrisie et il a montré aussi la manière dont le Pierre qui représente l'église devrait se comporter. C'est comme ça que Jésus a attaqué ce côté. C'est comme ça que Jésus nous a montré la manière d'enseigner. Ah oui,
Il a pris ceux-là qui sont dans la fausse doctrine, le Seigneur a montré comment est-ce qu'ils vivent et il leur a dit, il leur a aussi montré la manière de vivre. Parce que j'avais entendu une autre personne. En prêchant, c'est inutile de t'occuper des autres doctrines. Donc, lui-même ne comprend pas c'est quoi prêcher Jésus-Christ. Prêcher Jésus-Christ, c'est réfuter les contradicteurs. Tango Paul a dit Timothée na Éphèse. Lorsque Paul avait laissé Timothée à Éphèse, comme un ministre de la parole, verset 3, le verset 3, na 4 et 4, il y a 1 Timothée 1, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. Nazali ko bandelela yo lilendisi oyo na salela yo tango nazo ke de Macédoine. Nazana 1 Timothée 1 verset 3 et 4. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse. Tango na tiakio otikala na mboka ya Éphèse. Afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Bona kopesa mitindo na bato misusu bateya ba mateya mususu te. C'est ça la responsabilité des ministres. C'est ça la responsabilité des ministres. Il faut que ba doctrine mususu na ezaboyi. Il faut qu'ils sachent identifier les autres fausses doctrines. Et teya mate. Que cela ne soit pas prêché dans l'assemblée des saints. Dans l'assemblée des saints. Et de ne pas s'attacher à des fables. Et à des généalogies sans fin. Qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Ici, nous voyons le but dans lequel on a engagé un ministre. Fausse doctrine et cotaté. Pour que n'entre pas le fausse doctrine dans l'église. C'est ça. Donc, ministre à côté, il y a beaucoup la montée, mais quand même, il y a beaucoup de solutions. Le ministre peut prêcher, réponds-toi, attache-toi à Jésus, tu auras des solutions. Mais rôle n'a rien mon aîné. Mais son plus grand rôle. Ils ont encore la David dans la bergerie. C'est comme David dans la bergerie. Alors, on peut ça. Billet, il n'a même. Il peut donner la nourriture à la brebis. Il peut donner la nourriture. Ça n'a été que lion à Koya. Mais il ne faut pas oublier que le lion viendra. L'ours à Koya. Que l'ours aussi. Azala capable d'affronter encore. Ils sont capables d'affronter ces bêtes. À part Nengazo PC Matita Koya. À part la manière dont tu lui donnes la nourriture à manger. On peut prêcher, attache-toi à Jésus. Il faut beaucoup aimer le Seigneur. C'est bien. Mais lourd aviseur à Boya. Mais il viendra de lourds aviseurs dans l'église. Faux enseignant. Mais si tu ne connais pas bien l'enseignement, c'est la mort qui entre. Les brebis vont se disperser. On a la pouvoir. Azoya ensemble, mais. Aza déjà convaincu doctrine. Un frère peut être là dans l'assemblée, mais déjà convaincu par une fausse doctrine lui prêcher ailleurs. C'est ça, Eloko ya passe. C'est ça la chose la plus. Voilà belle. L'importance du ministère côté ya la vraie doctrine. Voilà l'importance du ministère de prêcher la vraie doctrine. Il y a tozo lo baké enseignement tozo pesa, il faut comprendre en mot. Mieux. C'est pourquoi nous disons qu'il faut mieux comprendre l'enseignement qui nous existe. Protéger. Parce que c'est cet enseignement qui va te protéger. C'est ce qui va te garder. Parce qu'une mauvaise interprétation tue l'âme. Ils ont un bateau, comme on a bango, à cause de la église, ils ont un stade. Vous pouvez avoir des gens qui ont une église comme des stades. Mais Bazan a faux enseignement. Mais qui ont des faux enseignements. Bazan apparence à piété. Qui ont l'apparence des gens qui servent Dieu.
Mais qu'ils n'espèrent pas qu'ils verront un jour le Seigneur. Parce que l'enseignement vrai est atteint. Parce qu'il n'y a pas l'enseignement vrai. Alors, nous alors nous montrons ici bien. Verset 6e d'Apocalypse 6. Nous avions commencé par le verset 6 d'Apocalypse 6. Nous avions montré, bien aimé, la doctrine misusu, la doctrine des apôtres, d'autres doctrines qui ne sont pas celles des apôtres, verset 6e, ces doctrines-là identifient la personne qui parle au verset 6 comme un antichrist. Le coup la montée, le Christ, et celui qui vend. Alors, bah, ça, il s'est dit, moi, Apocalypse 13. Et il m'a dit cette écriture, Apocalypse 13. Oh, il y a ça qui va, non? Que nous avions donné la fois passée. Parce que l'enseignement, il faut y aller. Hein, parce que tu dois bien connaître l'enseignement. Pourquoi tu as un terrain de bataille? Parce que tu vas les rencontrer dans le champ de bataille. Que tu aies la façon de répondre ou de les réfuter. Un enseignement véritable et pour protéger. Parce que si tu as un enseignement véritable, il va te protéger. Verset 16e. Le verset 16. Donc, tout le monde qui est ma doctrine, nous sommes utilisés dans le verset 6, d'Apocalypse 6. Nous avions dit que d'autres doctrines utilisent le verset 6 d'Apocalypse 6. Oui, il nous dit, et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier. Nayokaki na katikati ya kilo mine na bomo ibogogo moko koloba epimelo moko ya masangu na dinar moko epimelo misato ya ngando pona dinar moko. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Kasi kosala mabete na mafuta pe na vigno. Ba doctrine mususu. D'autres doctrines. Ezoka écriture oyo. Prenne cette écriture. Esangisi yango na Apocalypse 13 verset 16. Et la Marie à l'écriture d'Apocalypse 13, le verset 16. Bah, le Bible, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur, ou sur leur front. Et verset 17e, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ils prennent vendre ici qui est dans Apocalypse 13, le verset 17. Il y a un Apocalypse 6, verset 6. Et comme Apocalypse 6, le verset 6. Et mingi mingeza l'itéya ya docteur Russell. Et beaucoup plus, c'est l'enseignement du fondateur de la doctrine des témoins de Jéhovah. Oui. Alors, le livre en est en bola mingi. Alors, ces livres-là ont beaucoup circulé. Et d'autres prédicateurs de l'Église des saints. Ils prêchent aussi comme ça et nous mentent, c'est l'Évangile éternel. Mais nous qui avions lu auparavant ces livres, nous connaissons que c'est le fondateur des témoins de Jéhovah qui l'avait prêché. Nous savons qu'il était un faux docteur et qu'il avait mal enseigné cette parole. Nous avions montré que cet argument-là est un faux argument. Et d'autres aussi le soulèvent pour montrer que à un temps, Vatican. À une époque, l'Église catholique a zaki côté kaba mawa pour que ça la masoum. Donc, crédit à carte prépayée. Donc, il vous vend l'indulgence comme on achète la carte prépayée du crédit. Et basomba kaneti osti forfait à un mois. Comme on achète ou on active le forfait d'un mois. Donc, basakosomba ndengwana
miséricorde na bangwa sobi bayoke la kaye mawa un mois sala na eli n'importe quoi. Et les gens achetaient l'indulgence ou la miséricorde pour faire n'importe quoi pendant un moment. Mususa koso bakona une semaine, deux semaines, trois semaines. Omegi koto na ye naza déjà na 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 sobi baki déjà pona sala maso. Une autre paix achetait l'indulgence d'une ou deux mois et si tu lui demandes pourquoi tu pêches, il te brandit la carte d'indulgence. Azana, oh déjà. Il a déjà sa carte d'indulgence. Alors, bah, moussous, bah, so, kama, kambole, le kakawana. Et d'autres prennent ces choses-là qui s'étaient passées. Bah, tiango, na verset 6e d'Apocalypse 6. Et l'identifie comme la parole qui était sortie au verset 6 d'Apocalypse. Nous disons comme ça parce que tu vas les croiser dans les champs de bataille. Comment est-ce que tu vas les réfuter? Maintenant, tu vas trois dire, mesures d'orge et les koloba nini. Boani bakoma qui cinq mesures te. Et puis meno yanga domisa tu que cela signifie? Pourquoi on n'avait pas mis cinq mesures? Une mesure de blé. Pourquoi bakoma qui a ta sept mesures te? Pourquoi on n'avait pas écrit sept mesures de blé? On a écrit seulement une mesure. Vous allez le montrer comme on a déterminé les mesures. Eza natina. Cela a un but. Il faut nous kandipola ya likomi na makomami misusuka. Il faut chercher l'explication d'une écriture par d'autres écritures. On pourrait pousser mutu oyoyo azoya na police 13. Vous allez repousser ou réfuter celui qui vient avec l'argument d'Apocalypse. On dit ça est que marque de la bête est allée loté. Vous allez lui dire que la marque de la bête n'est pas aujourd'hui. Aussi longtemps l'église est sur la terre. Aussi longtemps que l'église du Seigneur est sur la terre. Moni batwa église de Satan ba commis 666. Parce que mibeta ba caché. Même si tu vois ceux de l'église de Satan, c'est imprimé 666 sur le front où s'est donné les tatous. Et Satan en beauté. Ce n'est même pas ça. Là ezakaka le diable azo distraire ba o bazo comprendre enseignement. Là c'est seulement la distraction du diable dans les chefs de ceux qui ne connaissent pas l'enseignement. Nyosozo mona na tango yo c'est ce qu'on appelle l'apostasie. Tout ce que tu vois dans ces temps des apotiques aponima kopewa. Des Thessaloniciens 2 le dit. Des Thessaloniciens 2 le dit. Il faut que l'apostasie y yanano. Et ce que li kotika aponima et comment? Dieu bénisse. Amen. Et donc, on y a ce faux à la réponse au pisse. Il faut avoir la réponse à donner à toutes choses. Montrez ce qui marque de la bête et qu'il y a Kassima. Montrez d'abord que la marque de la bête viendra après. L'église, où est l'épouse du Seigneur, a connu toi, ma déjà. L'église qui est l'épouse du Seigneur sera déjà enlevée. Alors, toi, Vincent, qui mène pour la totale, ça, et Zolobela, Nini. Alors, on avait avancé pour montrer ce que cela signifie. Totalisa qui trois mesures d'orge. On avait montré que trois mesures d'orge. Na une mesure de blé. Et une mesure de bleu. Tobanda qui n'a pas expliqué le rapport entre orge et blé. On avait d'abord commencé par expliquer les rapports qu'il y a entre l'orge et le blé. Tolobaki que blé et zalakana valeur mingi. On avait dit que le bleu a plus de valeur que l'orge. Mais mbumawana yangonde basale la ango lipa. Mais ces grains-là sont utilisés pour la fabrication du pain. Là d'abord les a physiquement. Là c'est d'abord ce qui se passe naturellement. Mais tu y vis très bien. Mais nous savons très bien que lipa oyanzoto ezali pona libumu. Que le pain physique c'est pour le ventre. Mais spirituellement lipa molimu ezala. Mais spirituellement il y a aussi le pain. Donc ezali la parole spirituelle oyeza comme orge. Donc il y a la parole spirituelle qui est aussi identifiée à l'orge. Ezala la parole aussi oyo eza ekokani ezotalisa blé. Il y a aussi la parole spirituelle identifiée au grain de blé. Yango to tambola ki par la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous avions marché par la grâce de Dieu. Topesa ki témoignage na Juge 7. On avait donné un témoignage dans Juge 7. Na tangu zambe. Du temps où le Seigneur. A ebisi Gédéon ki si na livré ba Madianite entre tes mains. Et si na kabi ba yi Madian na maboko na yo. Kende. Et rentre dans les camps de Madian et tu vas écouter ce qui se passe. Ceux qui osent banga zoa mututel bokende na ye.
Si tu as peur, prends quelqu'un et va avec lui. Lorsque Gédéon s'y est rendu, il était en train d'écouter la paix de ceux-là qui étaient comme ses ennemis. Un ami a eu le songe et l'autre est en train d'en donner l'explication. Ils n'étaient pas des Israélites. Mais le Seigneur leur a donné le songe. Et le Seigneur a remis aussi l'explication du songe à un de leurs. Là, cela nous inspire aussi. La personne peut avoir ne peut manquer le vrai enseignement, mais il reçoit aussi des messages. À ce songe, le songe, à ce vision, soit une vision. N'est-ce pas Jésus à l'obagi dans Matthieu 7? N'est-ce pas Jésus avait dit dans Matthieu 7? À partir du verset 21. À partir du verset 21. À sa dimension. Il a fait mention. À l'obi. Il a dit. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Les alibi ayant sauté de ma salle de la cagaille, colon colon de ma coco talola. Mais ça, c'est pas la volonté du Père. Mais seuls ceux-là qui font la volonté de mon Père. Vous me direz ces jours-là. Vous voyez, mais ça, quand même, mon colo. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Colo, tu sacres la cagaille na combo na oyezo. N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Mais je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous en parlerons lorsque nous aurons touché le cheval noir, toujours dans le troisième. Effectivement, ils ont chassé les démons au nom de Jésus. Effectivement, ils chassent les démons au nom de Jésus. Mais il est dans l'iniquité. Il ne verra pas le Seigneur. À prophétiser, peut prophétiser ça. Il prophétise aussi et la chose arrive. Mais Azana iniquité. Mais il est dans l'iniquité. À comment dans un bête. Il ne verra jamais le Seigneur. L'iniquité, l'ingolo va changer de Dieu. L'iniquité, c'est le changement de Dieu. C'est le premier commandement. Ezali mobe kwa liboso na mobe. Israël, Israël. Israël, Israël. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Bokozala kana nzambe mosusu te liboso. Le Seigneur Dieu est l'unique Seigneur. Nzambe na yo azali. Donc, aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu ne verras pas une représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux. Les lignes, la lune, les étoiles, ou bien des choses qui sont sur la terre, Ndege, les oiseaux, Motu, l'homme. Même les choses qui sont dans les eaux, les poissons, afin de te prosterner devant eux. Car Dieu punit l'iniquité. Donc l'iniquité, en réalité, changer de Dieu. Or, dans Jean chapitre 1er, verset 1er, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, Dieu, c'est la parole. Donc, ceux qui vont commettre iniquité, cela veut dire aux yeux l'iloba, au longo, l'iangoti, et l'eau, comme sous la place à parole. Donc, commettre l'iniquité, c'est prendre la parole, l'écarter et mettre une autre chose en remplacement de la parole. On attend notre bozon dans le verset 5e, toujours dans le 3e somme. Là, lorsque nous allons retourner au verset 5, toujours dans le 3e somme. Mais nous allons le bel an, verset 6. Mais nous parlons d'abord du verset 6. Donc, Pesakiboui. Nous avions donné parole nion son zan ba pesa ki ba prophète. Toute cette parole que le Seigneur avait de nos prophètes, c'est comme les grains d'orge. Deux ennemis wana bazala ikoloba. Les deux ennemis qui parlent au sujet de Gédéon, amona ki lipa ya orge. Il avait vu les gâteaux d'orge et tourné et tout inda qui roulait dans les camps des Madian et renversa la tente. Et la tente fut renversée sans cesse. Et son ami a donné l'explication. Ils étaient des incirconcis, ils ne connaissaient pas Dieu. Mais le Seigneur a envoyé Gédéon d'aller les écouter. Donc, nous pouvons
pouvons avoir la bonne parole. Mais un message aussi peut provenir de ceux-là qui n'ont pas la parole. Mais tu ne vas pas te rassembler avec lui pour l'adoration. Tu peux être en cours de route. Tu rencontres vraiment un fou. Il dit une parole et cela touche ton cœur et tu sens que c'est Dieu qui t'a parlé. Tu vois un acte dans un fou. Mais cela t'a instruit. Mais tu ne deviendras pas fou comme lui. Tu peux croiser un curé ou un prêtre catholique avec sa croix. Mais il y a Marie, mère de Dieu. Ils disent que Jésus est Dieu, mais en dessous là, ils veulent sortir Marie comme la mère. C'est pourquoi ils disent que Jésus est Dieu. Pour confirmer mère de Dieu. Donc pour confirmer vraiment que Marie, c'est la mère de Dieu. Mais quand il te dit que Jésus est Dieu, amen. C'est Amen. Mais je ne porterai pas sa soutane avec la croix chapelée. Non. Suivez attentivement. Donc c'est comme Gédéon. C'est comme Gédéon. Il est allé écouter les incirconcis. L'un a reçu les anges. Et l'autre l'a expliqué. L'autre qui l'a expliqué en disant. Gâteau à orge, les gâteaux d'orge qui roulaient, il a vu une révélation. C'est les bénis. Les amours panda et à Gédéon. Vous allez en malade. Suivez attentivement. Alobi, il a dit, ce que tu as vu là, il est coloré que Dieu a livré Bissot entre ses mains. Zambé a kabi Bissot baï matin na ma boko na e Gédéon. On a parmi ba soldats ennemis. Là, c'est parmi les soldats des ennemis. La chose qu'ils avaient dit, le Seigneur l'avait confirmé parce qu'il avait envoyé Gédéon d'aller les écouter. Qu'est-ce que nous saisissons là-dessus? L'orge, orge, c'est l'épée du prophète. Il y a Gédéon, juge. Donc, les gâteaux d'orge, c'est l'épée de Gédéon, le juge d'Israël. Or, la parole de Dieu est comme une épée. Or, la parole de Dieu, le Matzabé, c'est la capée Moupaka. C'est par rapport à Hébreu chapitre 4. C'est par rapport à Hébreu chapitre 4. Donc, autant qu'il y a parti à verset 11. Si tu lis à partir du verset 11, la parole de Dieu est à épée à double tranchant. Le Matzabé, c'est la Moupaka, y a Mino, y a Ngambo Mibani. Et il y avait la parole qui nous a appelé ça qui. Ma prophète. Il y avait la parole que le Seigneur avait de nos prophètes. Cette parole, Yamoneza écrit dans le livre. Et c'est cette parole qui est écrite dans tous ces livres des prophètes. Yamoneza n'est-il trois mesures d'orge. Et c'est ce qui est comme trois mesures de grains d'orge. Dozoaki Yamona Matthieu 13. Nous l'avions eu dans Matthieu chapitre 13. Dans verset 33. Au verset 33. Tomonaki Kunabalobaki, le royaume de Dieu est comme. Une femme a pris du levain. Là-bas, nous avions vu où on nous montre le royaume de Dieu semblable à une femme qui a pris du levain. Trois. Et puis, il est venu, elle est venue avec trois mesures de farine. Et à tirer le vire, farine et tombe à mitis à la levée. Et puis, elle a mis du levain dans la farine et qui a levé la pâte. Jésus-Christ a dit, c'est ça le royaume de Dieu. Et Jésus-Christ l'a expliqué comme le royaume de Dieu. Donc, ceux qui pâtent et tombent à mitis, royaume est atteint. Donc, si la pâte n'est pas levée, il n'y a pas non plus le royaume. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, voilà trois mesures. Voilà. Et ces trois mesures-là, bien les avantages sont comme la loi, les psaumes et les prophètes. Représentent la loi, le psaume et le prophète. Mais, ils en ont expliqué. Mais qui n'est pas encore, qui ne sont pas encore expliqués. Les vies royales qui n'ont pas dans Matthieu 13, 33. Les levains que la femme avait apporté dans Matthieu 13. C'est le Saint-Esprit. Némoli mon centre. Yangonezo fongo la écriture de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui révèle les écritures. Pour tous au royaume. Pour que nous recevions le royaume. Par là, tu comprends que Babé n'a pas trois mesures à farine. Par là, nous comprenons que la loi, les psaumes et les prophètes sont aussi appelés trois mesures de farine. C'est ça, trois mesures d'orge. Qui a donné trois mesures d'orge. Mais Bessaka, un denier. Qui a pour prix un denier. Nous avons explication un denier. Nous avons pris l'explication d'un denier. Tangaki
Matthieu 20, verset 10 à 11. En lisant Matthieu 20, le verset 10 à 11, Kuna tomonaki, là-bas nous avons vu que ba ouvrier, il y a première heure, na ya dernière heure. Basali ya bilanga ya tango ya ngonga liboso pe na ngonga so. Balobeli kaka deux groupes. On a parlé que de deux groupes là-dessus. Premier groupe, bazo za salaire indigné. Le premier groupe reçoit comme salaire indigné. Dernier groupe eza ba serviteur ya une heure seulement, il y a 11e heure, 12e heure. Et les derniers groupes sont les ouvriers d'une heure seulement, 11e heure jusqu'à la 12e. Et total qui va ouvrir la dernière heure. Alors nous avions remarqué les ouvriers de la dernière heure. Et ça, banane. Qui sont donc, il y a 1 Jean 2, verset 18. Nous nous étions rendus dans 1 Jean 2, le verset 18. On a Jean. Là-bas, Jean. Azoloba. 10. Petits enfants. Bananiké. C'est la dernière. Ezali Kongasuka. Jean Azamokaba apôtre. Jean est l'un des apôtres. Atali Sibiso qui Kobandaka église et Bandaki. Qui nous a montré que depuis le début de l'église. Dernière. C'est la dernière heure qui commence. Donc, Bisonion Sotosana Tango Église. Nous tous qui sommes dans les temps de l'église. Nous ne sommes que dans une heure. Suivant attentivement. Maintenant, Tozoaki. Et l'obéissance, parce que Dieu parle de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Nous avions pris un autre langage parce que Dieu parle de plusieurs manières et de plusieurs reprises. Donc, il est dit dans Jean 4. Nous nous étions rendus dans Jean 4. Dans verset 36e. Au verset 36. On a le Seigneur a vu en combien dans la forme et à Oyo Balona. Là-bas, le Seigneur a pris ces deux groupes d'ouvriers comme les premiers groupes qui avaient sémé et d'autres qui viennent moissonner. Bah, balona qui? Ceux qui avaient sémé. Dans Matthieu 20, par exemple, ouvrir première heure. Ce sont eux dans Matthieu 25 qui sont les ouvriers de la première heure. Dans Matthieu 20, récompense n'a pas un denier. Et dans Matthieu 20, leur récompense est toujours un denier. Maintenant, dans Matthieu 20, ouvrir dernière heure. Maintenant, dans Matthieu 20, les ouvriers de la dernière heure. Récompense de mon pesa indigné. Leur récompense était aussi indigné. Dans Jean 4, 36, c'est ça, bah, oh, bah, zokota, bah, kei, kubuka. Dans Jean 4, 36, ce sont ceux-là qui sont entrés dans les champs pour moissonner. N'a pesa ka aussi Matthieu 12, verset 1er. Je donne aussi l'écriture de Matthieu 12, le verset 1er. Jésus-Christ traversait les champs. Jésus-Christ, ça s'allait kota qui s'abadilanga. Et les disciples aussi, bah, zaki dans le même champ. Et les disciples étaient aussi dans le même champ. Bah, zokota. Et qui arrachait avec les mains les épis de blé dans les champs. Comme ils moissonnaient les champs là. Ce n'était pas leur champ propre. Parce que ce qui est bilanga na yo. Parce que si c'est ton propre champ. La loi est lobby au koya na faucille. La loi dit que tu vas apporter la faucille. Pour gâter blé. Pour venir arracher. Mais ce qui est bilanga na yo. Mais si ce n'est pas ton champ. Pour saler la faucille. Tu ne vas pas utiliser la faucille. Il y a un jour où on le met dans Apocalypse 14. Parce que le jour où on parlera sur Apocalypse 14. L'ange qui amène la faucille dans la bilanga ya terre. L'ange qui amène la faucille sur la terre. C'est le propriétaire de la terre. Et Salim Mkolo Mabele. C'est par rapport à Deutéronome. C'est par rapport à la loi de Deutéronome. Au monde par la grâce. Et là, nous le verrons par la grâce du Seigneur. Mais tant que ma disciple va traverser champ. Mais Matthieu 12. Mais lorsque les disciples traversaient les champs de la Matthieu, la faucille n'a ma bon côté. Ils n'avaient pas la faucille en parce que Balobaki kené langa na yo moko kando kozala na ekateli. Parce que la loi disait que c'est dans ton propre champ que tu auras la faucille. Ce que za elanga na yo te. Ce n'est pas ton propre champ. Moko kana ma bon. Tu vas ne cueillir qu'avec la main. Mais ton moni ba disciple. Mais nous avons vu les disciples. Bazala ki kubuka kaka na ma bon. Il ou arracher avec leurs mains. Pas ils prenaient le blé. Que Dieu a pambo la binomi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Donc, na kati na yango, donc dans tout cela, d'être monaki, nous avions vu ne l'obéli à Bozambé. Dans le langage de Dieu, na l'obéli à Bozambé. Dans le langage que loko la bango bazana ki kokota na bilanga wana. Comme eux entraient dans ces champs-là, oyoyo, ezalaki ya bangote, qui ne leur appartenait pas, bazalaki kobuka ka. C'est-à-dire qu'ils n'arrachaient qu'avec la main. Et l'okwana, il y a Matthieu 12, verset 1er, et confirmé Jean 4. Donc Matthieu 12, verset 1er, a confirmé Jean 4, le verset 36. Que bokoti na bilanga, oyoyo, ezalaki ya binote. Vous êtes entrés dans les champs qui ne vous appartenaient pas. Oyo ba mususu de balonaki. Que d'autres ont semé. Et Ephésiens 23.
Si tu entres dans les plaies de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main. Verset 25, il y a des troncs 23. Mais tu n'agiteras point la faucille sur les plaies de ton prochain. Là, le jour, on arrivera en Apocalypse 14 que nous parlerons sur cette écriture. Mais j'ai pris seulement pour montrer par la grâce de Dieu que les disciples guérissaient avec leurs mains. Par rapport à l'écriture, c'est-à-dire par rapport à cette écriture, les champs ne leur appartenaient pas. Donc ces champs-là appartenaient à d'autres personnes. Mais ils sont entrés dans les champs des autres. Donc les autres là, les propriétaires du champ sont les ouvriers de la première heure. Tous les prophètes. Ce sont eux qui sont les propriétaires. Maintenant, les disciples qui sont les apôtres sont entrés dans ces champs-là. Mais tout le monde qui n'a verset 36. Mais nous avions vu au verset 36. Il y a Jean 4. De Jean chapitre 4. Bah oui, bah okay. C'est là qui cueille. Ah bah oui, bah moi, son aki. Et c'est là qui. C'est bah là bah qui avait sémé. Hein, salaire nini, vie éternelle. Recevons tous ces mêmes salaires qui est la vie éternelle. Ah là, tous une définition à un denier. Et là, nous avions eu la définition d'un denier. Un denier, c'est bien sûr les ambongo. Dinar et Zalimbongo, mon son. Et voyez, bah, qu'ils allaient qui. Importé. Mais il faut savoir que c'était l'argent des étrangers. Ce n'était pas l'argent utilisé en Israël. C'était l'argent extraverti venant de l'extérieur. Dénié. Donc représenter les signes d'une autre vie. Mais na po ezala ki bongo vraiment. Mais naturellement c'était de l'argent. C'est comme nous qui sommes ici. Congolais mais tous elle la chaîne. Nous sommes des Congolais mais nous utilisons les chaînes au Gabon. C'est ça dernier. Il y a beaucoup de derniers zalaka. Nous avons na. Amen. Tous en vie oui. Nous avons notre vie sur la terre. Mais si nous récompense, il y a vie moussous. Comme récompense une vie qui n'est pas celle de la terre. Et quelque part. Qui provient de quelque part. C'est ça dernier. Il y a beaucoup de suivant attentivement. Une vie où on a boué sa terre. Une vie naturellement comme ça qui n'existe pas. C'est ça dénier. Il y a beaucoup de dénier. Vie éternelle. Bomo yaseko. Maintenant tout à l'heure qui boué. Maintenant on avait montré comme ça. Monte ignos. Azala yanzam. Azala yanzam bete. Azala kana balance. Tout prédicateur, qu'il soit de Dieu ou non, a une balance. Et sa manière de voir les écritures de la Bible. Balance naïe parfois. Peut-être sa balance. Dans la kotala, lorsqu'il va regarder. Amoni, ah. Okosala bike kote. Tu ne feras point d'idole. Azu versiona alongo. Il prend cette écriture-là et il l'enlève. Yasali bike kon église. Et lui, il érige des statuettes dans son église. Atali, il regarde encore dans Deutéronome, chapitre 16e. Parce que j'aime les exemples, cela nous aide vraiment à bien saisir les choses. Aussi, Deutéronome, prenez Deutéronome, et tant que vous avez sa gueule, lorsqu'on nous montre, verset 21, le verset 21, na 22. Et 22, Deutéronome 16. Qui ne fixera aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Yo kotia ikeko mon côté ya libaya pembeni ya etumbelo ko sala nzambe. Donc, n'est-il tous en église? Nous sommes par exemple à l'église. Totonimo aiglea. Directement nous érigeons la statue d'un aigle là comme les autres.
Enègle là qui vont. Il faut leur dire aussi. L'aigle qui vole des êtres vivants a les pieds d'un veau. Tu penses que l'aigle des êtres vivants a des griffes, des serres? Non. S'il demande le verset, tu lui donnes Ézéchiel 1er, le verset 7. Tu le lui donnes. Ézéchiel chapitre 1er. Ézéchiel chapitre 1er. On parle des chérubins. Verset 7. Le verset 7. Leur pied était droit. Et Zala qui tout droit. Et la plante de leur pied était comme celle d'un pied d'un veau. Pe makolo na bango ezala ki lokola makolo ya mwana ngombe. Vous voyez, prédicateur du message. Nous avons dessiné aigle na makolo manzaka ndenge ozomona sacrificateur papa na Jean-Baptiste Azababa. Donc toi tu dessines l'aigle avec des griffes comme dans la création que tu vois. Mais l'aigle na biso awa. Mais notre aigle ici dans la Bible. Makolo na ezaka ya ngombe. A la plante des pieds comme celle d'un veau. Puis Ézéchiel 1, verset 7. Tu lui donnes l'écriture d'Ézéchiel chapitre 1er, le verset 7. Être vivant, ça n'a pas sabot. Notre aigle a des sabots de veau. Oh, manzaka aigle. L'aigle de l'aigle. Non. Les pieds de notre aigle dans la Bible, c'est les pieds de veau. Verset à moi. C'est ça les versets de la Bible. Amen. Maintenant, tu vas lui poser la question, pourquoi sa plante des pieds veau est allé sa camp comme ça? Parce que le veau représente les serviteurs. C'est là prophétisé que Dieu qui est esprit, lorsqu'il viendra marcher sur la terre, donc, si tu regardes les traces de ses pieds, il y a moins d'un gomme d'aller. Donc, qui est esprit, nous appelons terre comme serviteur. Il descend sur la terre comme un serviteur des hommes. C'est ça. Il faut pas être vivant tant que na mabile. Il faut que lorsque les êtres vivants marchent sur la terre, donc quand tu viens regarder, qu'est-ce qui a passé ici? Ngombe. C'est le veau qui est passé ici. Donc Dieu esprit, ça me moli mon monnaie. Envoyant comme serviteur. Mais qui viendra marcher comme un serviteur? C'est ça. L'aigle a les pieds de veau dans la Bible. Il pense à l'aigle qui a la forêt équatoriale. Vas-y. Que Dieu vous bénisse. Sambe a pas pour la bino. Et que la grâce du Seigneur les a ricolons à bino nios. Que la grâce du Seigneur soit sur vous tous. Sambe a sale la yo bola moumi. Que le Seigneur te fasse beaucoup de bien. Kolo apambola yo. Que le Seigneur te bénisse. Journée goye salamalamu pona yo. Que cette journée soit agréable pour toi. Et loko kokite oko kana kombo na Yesu Christo. Là où tu ne parvenais pas, que tu puisses parvenir au nom de Jésus. Banzela na yue fongwama. Que le chemin s'ouvre. Et si ka ezala ki bloqué fongwama. Là où c'était bloqué puisse être décompté. Et il faut vous permettre na pesa témoignage pour une minute pour yelinga. Permettez-moi de donner un témoignage pendant une minute parce que cela m'est venu à l'esprit. Un frère m'avait dit. Non, là, une soeur. Une soeur. En France. En France. Et puis, c'est papa. Papa. Mbongo Nangaya salaire est bloqué. Mon salaire est bloqué. Ça ne sort plus. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Comment je vais vivre? Moi je lui ai dit qu'on va prier puis ça va se décanter. J'ai prié pour elle. Lobby. Parce qu'elle me l'avait dit le matin, j'ai prié. Lobby que
Zamba débloqué. Le Seigneur a débloqué. On a fini notre prière. Lorsque nous avons fini la prière, après quelques heures, on lui a envoyé un message de déblocage des salaires. Elle m'a encore rappelé en train de sourire dans la joie. On vient de m'envoyer un message qu'on a débloqué. Moi, je lui ai dit que c'est ta prière. Toi, tu priais de la sorte. Comment est-ce que tu vas t'étonner? Donc, c'est pour vous montrer bien. Donc, là, ce que tu as besoin, tu peux l'avoir le même jour. Même si tu vois que c'est difficile. Ne regarde pas la grandeur de ton problème. C'est le Seigneur qui a créé les cœurs de tous ceux qui s'opposent à toi. Il va seulement toucher ces cœurs-là. Et changer position. Et ce Dieu l'a changé position. C'est ton Dieu qui l'avait fait. À Bandaka, j'avais rencontré un gars. Mon conti à cour d'ordre militaire. Un procureur de la cour d'ordre militaire. La commune en Dapuna. Je suis arrivé dans sa maison. Na mon yasa qui n'a souci ma casse. Je lui ai vu dans des soucis. Alors on a fait un Dapuna et 3 jours. J'étais resté 3 jours dans sa maison. Maintenant, je lui ai dit, j'ai mangé dans ta maison et tu m'y as logé. Demande-moi tout ce que tu veux. Directement, j'ai vu les larmes en train de couler. Et il m'a dit, au moins tel territoire. Vous voyez tel territoire. Et ça en plein guerre. On a les camarades qui sont en 2002. Et cet événement-là s'était passé en 2002. Alors, tel territoire est sous contrôle y a rebelles. Tel territoire est sous le contrôle des rebelles. Mais comme je suis là, ordonnance bimi. L'ordonnance était sortie. Et on m'a nommé là-bas dans le territoire où il y a la guerre. Service militaire, c'est un service commandé. Les services militaires, c'est un service commandé, on ne doit qu'obéir. Il a dit papa. Là-bas, ce n'est que pour être livré. Moi, je lui ai dit, parle-moi seulement de ton problème. Qu'est-ce que c'est là? Mais signature, vous avez sali loi. Nous sommes à mon compte, il y a des bossons. Vous avez sali mon tout. Donc, celui qui a tout fait ça, c'est le chef, celui qui a la tête. Le président. Le président de la République. Je lui ai dit. Mon thème, c'est ça. Mon thème, c'est ça. Le cœur qu'il a en lui, c'est Dieu. Pourquoi ça là qui. C'est lui qui avait créé son cœur. Nous l'avons avec nous, comme nous sommes là, nous deux. C'est lui qui avait créé son cœur. Donc, dès que ton famille n'a pas eu, comme nous sommes là, donc on peut changer mon thème président. On peut changer le cœur du président qui est là-bas au loin. On a ton famille dans Mbandaka. Là, nous étions à Mbandaka dans sa maison. Et puis, c'est là-bas. Et il m'a dit, à l'obi, au moins, il n'y a pas eu. Vous voyez, comme nous sommes là, au Mbandaka, à côté armée. Depuis que je suis dans l'armée, on ne m'a jamais mité à Kinshasa, la capitale. Ceux qui m'ont mité, ils vont diriger la province à Bandou. Si on me mute, c'est seulement va diriger au Bandou. Ils vont diriger la province orientale. Va diriger la province orientale. Ils vont diriger la province Nin. Va diriger telle province. Et puis c'est un problème, Nazanango Ezake. Il a dit les problèmes que j'ai. Même grade, Nazanango numéro 1, puis sur la République. Donc, j'ai le même grade que celui qui est le numéro 1 de nous tous dans toute la République. Dans Procom. Procureur à cour d'ordre militaire. La ordre militaire. Donc, le procureur prit la cour d'ordre militaire. Eh bien, vraiment, dans mon agrandé. Vraiment, il m'aime. A évite à Kamana Kinshasa parce que tout le monde est là. Il m'évite que je puisse entrer à Kinshasa parce que nous avons le même grade. Obesinga explication, mais pour ça, tu m'as donné trop d'explications, mais c'est quoi ton problème? Allumant. La salle, ce qui combien ce qui 25 ans, 26 ans à l'armée. J'ai fait 26 ans à l'armée. Je ne suis jamais mité à Kinshasa. L'OB
belanga posa oyo ya yo. Dis-moi c'est quoi ton souci à toi? Il voyait son problème vraiment très considérable. Et il m'a ajouté ordre ya oyo mokonzi a signé. Donc les ordonnances signées par le président. On ne l'a pas signé il n'y a pas longtemps. On l'a suivi dans la, sur la radio Kapi. Moi je lui ai dit on peut les changer seulement si tu le veux. Parce que c'est lui qui avait créé son cœur. Nous l'avons ici comme nous nous entretenons ici. Il m'a dit bon. Que le Seigneur fasse que échanger. Que cela puisse que je sois mité à Kinshasa. Moi je lui ai dit, vous voyez comme tu m'as exposé ton souci. J'ai mangé ton foufou à la maison pendant 3 jours. Et puis tu as accueilli les serviteurs. Il faut que tu reçoives une récompense quand même. Par rapport au geste que tu as fait. Je lui ai dit seulement qu'il te soit même tel que tu l'as demandé. Et j'ai pris les vols, je suis à Kinshasa. Après une semaine et demie, mon conseil de mission donne la, le président de la République a pris une autre seulement pour lui. J'ai dit au nom de Jésus. Naolo bana combo na Jésus Christ. A nommé ma mité à Bina Kinshasa. On l'a mité à Kinshasa, la capitale. A détruire l'ordonnance au Batinda Kikutabarebe. On a anéanti ou approché la première ordonnance. Ve Batie na Gombe. Et on l'a établi à Gombe. Jourouana na Tongo Tongo ba 6 heures na Kinshasa. Moi na na Kinshasa yekoube de la porte. Ce jour-là, très tôt le matin à 6 heures, son fils à Kinshasa est venu me frapper à ma porte. Papa. Papa. Nomination, vous savez. La nomination vient de ça. On a nommé papa à Kinshasa. On a nommé papa ici à Kinshasa. Amen. On a eu tout à la gaz au banc. Le fils est venu me voir tout tremblant. Prière, mais c'était sa propre prière. Amen. Il avait besoin d'être bité. C'est pourquoi le Seigneur l'a exaucé. Donc, la Bible le dit que le cœur du roi. La Bible le dit, mité ma bakou. Et ça comme un courant d'eau. Et ça inclinant côté ya lingi. Là c'est pour te montrer tu peux avoir n'importe quel problème. Problème n'aie pas peur de ton problème. Les gens qui s'opposent à toi. Leur cœur. Le Dieu que toi tu as, c'est lui qui les a tous créés. Le Seigneur peut les changer en ta faveur. Le Dieu que toi tu as, il n'est pas loin, il est près de toi. Avec assurance, vous savez, dis seulement avec assurance que tu appartiens à Dieu. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur est à l'icône. Que le Seigneur te fasse beaucoup de bien. Gloire à Jésus.